Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer des exercices portant sur l'auto-rééducation de l'épaule, notamment la coiffe des rotateurs. C'est la deuxième partie sur les trois que j'avais prévues au départ. Aujourd'hui, on va voir des exercices très simples, sans mouvement, c'est-à-dire en isométrie. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et c'est parti. La plupart des exercices présentés se font debout, coup de fléchier à 90 degrés, près du corps. Les contractions se font contre la résistance de la main opposée, ou d'un mur, ou de tout autre support. Maintiens les contractions de 5 à 10 secondes en respirant normalement et pense bien à aligner ta tête et avoir le dos bien droit. Flexion. Debout face au mur, place une serviette entre ton poing et le mur. Pousse avec ton poing contre le mur tout en conservant ta tête et ton corps bien droit. Extension. Tu te mets dos au mur, le corps bien droit. Tu peux utiliser une serviette entre le coude et le mur. Tu vas pousser le ou les coudes contre le mur sans bouger le corps. Rotation externe. Place la main opposée du côté extérieur du bras symptomatique. Exerce une résistance en tournant le bras vers l'extérieur, toujours sans mouvement. Rotation interne. Cette fois-ci, place la main opposée à l'intérieur du bras symptomatique. Exerce une résistance comme si tu voulais déplacer la main en direction de ton abdomen. Abduction. Debout près d'un mur et de côté, tu peux aussi utiliser une serviette entre le coude extérieur et le mur. Pousse le coude contre le mur comme si tu voulais élever le bras sans bouger le corps. Adduction. Place une serviette entre le corps et le bras et pousse ton bras vers les côtes en te tenant bien droit avec une respiration normale. L'élévation antérieure du bras. Face à un mur, le corps droit, les bras tendus, exerce une résistance contre le mur comme si tu voulais lever les bras vers l'avant. L'élévation postérieure. Assis, le dos bien droit, les bras tendus, tu vas exercer une résistance contre le support d'assise comme si tu voulais lever les bras vers l'arrière. Les épaules sont également vers l'arrière et les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre. Ta respiration reste normale. Voilà les amis, j'espère que ces exercices vous auront plu. Vous pouvez les utiliser n'importe où ou tranquillement à la maison. La semaine prochaine, on voit la dernière partie portant sur la coiffe des rotateurs. Et en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez en forme. Les amis, salut.